On arrive ici, le roi du Maroc avait envoyé des ulémas aussi pour recevoir le Khotseb qui venait pour faire la lecture du Coran. Ils étaient là, ils étaient très nombreux. Ils ont amené l'eau de Zamzam. Et c'est avec ça qu'ils ont fait encore la toilette funèbre du président Sékou Touré à Conakry. Quand ils ont fini de faire la toilette, ils m'ont envoyé demander le linceul. J'ai envoyé l'habit qui portait son dernier pèlerinage. Je leur ai envoyé ça. Ils m'ont dit que je devais dire le voir pour lui faire mes adieux. Mais pardon, qu'ils ne veulent pas que j'amène des gens sales à côté de lui. Ils disent que eux, c'est leur travail, ils ne font que ça au Maroc. Ils sont au palais royal, ils s'occupent que des morts. Mais ce qu'ils ont vu sur le président Sékou Touré, que jamais ils n'ont vu cela. Ils m'ont dit cela. C'est-à-dire quand ils ont fini de faire sa toilette, ils ont fait les ablutions. Il a eu comme un sourire. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Moi, je craignais pour mes belles-sœurs parce qu'elles, où elles vont, elles veulent aller avec toute leur famille. Je suis venue voir mon beau-frère ici. J'ai dit voilà ce que. Mais les éléments ont dit. Mon beau-frère a dit reste tranquille. Comme ils ont dit, c'est comme cela qu'on va faire.